je sais, ça vous a beaucoup manqué. Je te dis que... Bien, ça revient donc. Chaque jour quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Fin des jeux universitaires. Ma chérie, nous savons tous que tu es vraiment une bonne athlète. Comment ça s'est donc passé, ces jeux universitaires? Membre de l'équipe nationale de l'athlétisme. Tu es athlète depuis combien d'années? Je suis athlète depuis 2016. Et c'est ta première fois de participer aux Jeux U? Je suis venue aux Jeux universitaires pour ma première fois et aussi pour ma dernière fois. Comment ça? Pourquoi la dernière fois? Tu as quel âge? J'aurai 25 ans dans quelques mois. Et pourquoi alors tu arrêtes? Pourtant c'est ta première fois seulement. J'aurais aimé faire beaucoup de jeux. Quand j'étais au lycée, j'étais à 27 ans. Attends, au lycée tu avais 27 ans? Et dans quelques mois, tu auras quel âge? J'aurai 25 ans dans quelques mois. Mansa, au lycée, tu avais quel âge? Quand j'étais au lycée, j'étais à 27 ans. Hey! Ha! Claudel, tu entends ça? Moi, je ne comprends pas. Tout ça, c'est le manga, hein? Seigneur! Non, Fingon, arrête ça. Quel manga? Ma fille, au lycée, tu avais 27 ans. On a compris. Continue. Quand il passe le bac, Corona arrive. Quand Corona finit, j'ai déjà 25 ans. Je demande, finalement, tu as quel âge? J'aurai 25 ans dans quelques mois. Hey, laisse les gens. Sa tête ne... Bon, on a compris que bientôt tu auras 25 ans. Pourquoi tu ne continues pas la compétition? Du coup, j'aurais aimé faire plusieurs jeux après ce jeu. Mais bon, on ne peut pas discuter contre la nature. C'est arrivé, on va faire avec. Applaudissez pour notre athlète. Comme une vieille mes amis. Bon, ça va. On a compris, non? Sébastien, c'était également quoi ton souci? J'ai fait un constat depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi... Un taxi? Ok. Les taximans, on fait quoi? D'abord, premièrement, les taximans, certains taximans sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. Tu dis que les taximans sont comment? Ils dégagent de la mauvaise odeur. Et en plus? En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Pourquoi? La plupart, ce sont les femmes. Ah, les femmes, ça bouge. Tête de prune. Non, pas d'injure. Laissez-le continuer. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. What? Tu dis les femmes d'où, tonton? Les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Imbécile! Maman! Calmez-vous. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. Vous voulez seulement que les gens s'énervent dans ce pays? Mon frère, pourquoi vous n'aimez pas la paix? Vous voulez toujours nous pousser à bout? La paix. Ce mot de quatre mots. Ok. Le père, tu dis quoi? Ce mot de quatre mots. Quel mot comme ça? La paix. La quoi? La paix. Je me l'ai... Massa, et pas les mieux comprendre. P-A-I-Y. Ce qui donne quoi, tonton? La paix. Yeah! Et la pub, paye, et folie, et paye, et... Pause publicitaire. Mendes Intel, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne, allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27. 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement, grâce à l'entreprise Mendel Sainte. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Sébastien, tu dis quoi pour conclure? Donc, dorénavant, moi, je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement la femme, elle est trop sale, elle dégage une mauvaise haleine. L'hygiène corporelle n'est pas respectée. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement n'importe comment. Donc, dorénavant, il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taximan doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Ah, comme il est. Et sa tête comme la pierre. Tête de prune. L'autre a fait les bruits plus que toi. Hein? Mais aujourd'hui, elle pleure partout. Pardonnez-moi. Malène, passe le message. Je vais profiter pour dire vraiment, mes frères de l'Ouest, si je vous ai offensé, j'avais déjà dit, je m'en excusais. Ah bon, hein? Ce n'était pas le but. Le fait que je dise que je suis suprémaciste, Betty. Bon, on était dans des joutes verbales vraiment violentes. Vois-moi ces anciennes fesses. Tête de prune. Continue. Mais moi, je me retrouve. Je venais d'accoucher, j'avais mes hormones de l'accouchement, c'est parti dans tous les sens. Hein? Non, moi, ça me dépasse. Moi, je ne suis pas une haineuse. Je ne suis pas une personne qui prône la haine. Allez, ferme ta bouche. Donc, je suis vraiment, vraiment désolé d'avoir blessé nombreux parmi vous. Et aujourd'hui, même, j'ai honte quand je vois de telles images de moi parce que ce n'est pas moi. Allez, laisse les gens. C'est-à-dire, c'est des images qui ont été prises à un moment. Non, arrête comme ça.
quand ça va aussi cuire sur celui-là, il va revenir ici pleurer comme tu fais là. Vraiment, c'est malheureux. De toutes les façons, continuez à prôner le tribalisme. Hein. On vous observe. Ils ont fallu même me tuer. Et non, nos frères. En vrai. Partagez-moi cette vidéo, les amis. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'était le général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.